Bonsoir à tous et bienvenue dans le magazine du Martinique Jazz Festival. Alors, nous arrivons déjà à la fin de ce week-end de festival riche en émotions et pourtant, on vous réserve encore de belles surprises. Omar Sosa, Iliane Canizares et Gustavo Ovales ont été plébiscités hier soir pour leur prestation exceptionnelle à la salle Aimé Césaire de l'Atrium. Hervé Selcal était également de la partie et a mis l'ambiance au piano. Sur scène, on vous montrera tout ça dans ce magazine. Moment musical magnifique, extraordinaire. J'ai eu la chance, en tant que musicien, d'avoir présenté cet album avec Hervé Selcal en Guadeloupe. Donc, je connais un peu et c'est avec un réel plaisir que je suis revenu l'écouter ce soir. Ce que j'apprécie, c'est qu'on retrouve vraiment la couleur musicale de la Martinique, le fond d'oc, oui. Et avec la couleur du Belay. Et j'apprécierais davantage si le public pouvait s'exprimer. Petite pointe de regret. Ben oui, on vous l'avait dit, les absents ont toujours tort. Bon, rassurez-vous, tout n'est pas perdu. On vous présente tout de suite Nubia Garcia qui se produira demain sur la scène du Prêcheur. Vous hésitez encore pour nous rejoindre ce week-end, regardez ce que vous avez raté hier soir. Le Martinique Jazz Festival n'est pas terminé, regardez ce qui vous attend.
Nubia Garcia sera présente pour partager avec nous ses sonorités caribéennes, reflétant ses origines et sa culture le dimanche 8 décembre à l'Esplanade Sambura à 16h au Prêcheur. Mélissa Lavaux souhaite revisiter le patrimoine musical de la terre natale de ses parents. Originaire d'Haïti, elle nous transporte aujourd'hui avec son nouvel album Radio Siwell. Passionnée par la musique depuis son plus jeune âge, elle revient sur la scène du Martinique Jazz Festival, accompagnée de Christophe Césaire au piano et de Joanne Lebon au tambour belé, sous le nom de hashtag Black Diva. Cette chanteuse rend hommage aux grandes divas noires du jazz le dimanche 8 décembre à l'Esplanade Sambura à 16h au Prêcheur. Et ça y est, le magazine du Martinique Jazz Festival s'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau programme sur Martinique Première.